France Bleu Gard Lozère, l'invité de 18h. Invité singulier puisque c'est le groupe Compass. On est d'accord? Tout vous à fait. Vous formez un groupe, ouais, tous les quatre. Oui, oui. Et puis individuellement. Alors, il y a Fabricio. Oui. Ça, c'est le petit-fils. Petit-fils de Manuel Del Plata, oui. Voilà. Bonjour à tous. Et donc, forcément, ton fils, c'est l'arrière-petit-fils? Exactement, c'est mon papa. Nico, c'est ça. Nico. Salut. Salut. Anthony. C'est enchanté. Le cousin. Exactement. Ça va? Ça va, impeccable. Toi, on s'est déjà vu à la télé ou n'importe où, t'es partout, toi, non? Je sais pas. Il a la figure d'une star. Il est là. Écoute, et Pissou, alors, je sais pas pourquoi Pissou. Ben, je sais pas, moi aussi. Toi non plus. J'ai toujours entendu ce prénom, voilà, ce surnom, du moins. Ouais, depuis tout petit, ça me suit. Alors voilà, on va se tutoyer parce que depuis oui, tout à l'heure, effectivement, il y a la bonne humeur qui règne dans ce studio. Vous êtes installé avec vos guitares, quatre guitares, ça va donner. Vous êtes prêts à jouer en direct aussi? Bien sûr, avec plaisir. Aucun plaisir. Souci. Tout à fait, bien sûr. Oh là là, et même chanter? Et même chanter. Même danser. Alors, ça, il y a Isabelle qui est dans un petit coin qui est prête à danser. Est-ce que je dois dire que c'est génétique la musique chez vous? Oui, exactement. Bah, oui. C'est des familles. Oui. Dans le berceau déjà? Oui, même avant d'être né. Ouais. Tous les jours, nous, on vit avec la musique. On se lève le matin avec la musique. Le soir, on se couche avec la musique. C'est incroyable. Sans musique, on est malheureux. C'est quoi. Ça n'aurait pas à ce point-là. Ah si, c'est vrai. Franchement, on écoute souvent de la musique. On est souvent en train de jouer, de chanter. C'est vrai. Pour nous, la musique est une drogue. C'est notre moteur. Tout à fait. Une bonne drogue. Ah oui. C'est plutôt positif, ça. Ah oui, exactement. Bien sûr. Et puis, sinon, quel est votre parcours à chacun? Est-ce qu'on peut se faire un petit détail, Fabricio? Alors, moi, bon, comme tout le monde, j'ai commencé assez bonne heure, quoi, on va dire, dans la vie. J'étais avec ma famille sur Montpellier. Voilà, et j'étais en famille à Montpellier. Et le groupe que j'avais là-bas, avec qui j'étais, ça n'a pas trop bien marché. Et j'ai décidé de revenir sur Nîmes. Et le groupe Compass est créé en 2004, voilà. Voilà. Et un petit tour avant de revenir. Voilà, je suis resté, voilà, et après... Il y en a un qui a un casque trop fort, je suis désolée de vous le dire, c'est pour ça que ça siffle un petit peu, voilà, autant que ce soit clair. Donc t'as fait un petit tour, t'as balancé ta musique, ta famille est revenue. Voilà, je suis revenu. Balader voilà. Plutôt que balancer. Et voilà, et j'ai pris le nom du groupe Compass, parce qu'on me disait tout le temps quand j'étais sur Montpellier, t'as un super compass, un bon compass, le compass c'est le rythme sur la guitare avec la main. Or j'ai dit, mais mon groupe s'appellera Compass, voilà. Bah voilà, je voulais vous poser la question, savoir ce que c'était. Et je tiens à préciser que je le dis toujours comme mon papa un bon compass de guitare. D'accord. Alors, on y va pour toi, Nico. Toi, t'as suivi papa? Alors, moi, voilà. Il y a vraiment un problème de sifflement. Bon, on va essayer de régler ça. Il faut baisser tous vos casques, s'il vous plaît. Voilà, c'est une histoire de compréhension. Vas-y. Moi, tout simplement, quand j'étais petit, j'allais voir mon arrière-grand-père, Maïta de Pata, et mon grand-père, Manero. Ouais. Qui faisait des concerts au Temple du Soleil, le Rimini, à la Grande Motte, à l'époque. Et voilà, et j'allais souvent là-bas, j'allais voir ma famille à Montpellier, mes oncles et tout. Et je commençais un petit peu à toucher à la guitare. Moi, j'aimais aussi les arts martiaux quand j'étais petit, le karaté. J'aimais Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, eh oui. tout ça, comme ça. Hein. Et j'aimais la guitare. Et vers l'âge de 10 ans, je me suis mis vraiment à apprendre la guitare, à chanter un peu moins. J'ai chanté un peu plus tard. Parce que moi, je suis plus guitariste, voilà. Alors, comment est-ce qu'on apprend la guitare quand on a un aïeul comme ça, comme Manita? Est-ce qu'on l'apprend tout seul à la maison, avec papa, dans la cuisine? Alors, on l'entend déjà, ça se prépare déjà. Ça se prépare déjà, voilà. Et voilà, c'est ça, papa qui nous apprend, un cousin, un copain. Et à la fin, on prend plaisir. Et le geste de la main, il vient tout seul et ça, la musique vient tout seul, quoi, exactement. Ça vient comme ça. Donc, à 10 ans, et ensuite, t'as commencé à chanter? Alors, j'ai commencé à chanter plus tard dans le groupe, mais d'abord, j'ai rejoint, parce que j'ai vu la formation du groupe que mon père a créé, Compass, qui s'est créé en 2004. J'ai vu plusieurs membres passer. Il y avait un jazziste manouche, il y avait une personne qui jouait plus du flamenco. Tout ça, ça donnait une forme, mais le groupe était pas encore, c'était pas encore ça, quoi. Et stable, moi, quoi. C'est ça. Ouais. Et moi, je suis arrivé à l'âge de 14 ans, c'est ça, non? Je crois que j'ai fait ma première soirée à l'Espiguette. C'était OK, là. Une petite guinguette au Kélar. Je me souviens quand j'étais petit. C'est ça, exactement. Ouais. Et voilà, et à partir de là, j'étais pas vraiment dans le groupe, je venais de temps en temps parce que mon père, quoi, en fait, il m'habituait un peu au monde public. Et puis, j'ai commencé à rejoindre vers 15-16 ans le groupe, faire notre petite scène, mes premiers concerts.
Et de là, ça a enchaîné, quoi. De là, ça a enchaîné. Il y a un truc qui se passe quand t'as 15-16 ans et puis que tu quittes l'école et que tu dis, moi, je suis désolé d'y aller, j'ai un concert ce soir. Voilà. Exactement. C'est le côté sympa, ça. C'est ça. C'est le côté, je frime un petit peu. Ouais. On continue avec le cousin, cette fois-ci, avec toi, Anthony, la star, là. Ouais. Vous êtes tous des stars. Et moi aussi, j'ai commencé très, très jeune. Ouais. J'avais déjà 5 ans, je chantais dans les restaurants, dans les bars, avec mon oncle. Parce que, petite parenthèse, mon père chantait avec le papa de Fabricio. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Chantait avec le papa de Fabricio et avec Manitas, avec à l'époque de Manitas, quand il était en pleine gloire. Donc, voilà. Mais et, vous êtes tous si jeunes. J'ai continué à l'âge de 5 ans et après j'ai rejoint le groupe Compass il y a 8 ans. Et on s'est retrouvés. À 5 ans. On s'est retrouvés. À 5 ans. À 5 ans, déjà, je chantais dans les bars, les restaurants. Fête de famille. Voilà, la guitare, c'est venu après alors. Toi, c'est l'inverse. C'est venu après. J'ai commencé vraiment à jouer à la guitare, à commencer à bien accompagner, j'avais 11-12 ans. Voilà, il n'y a pas un ordre en fait. On commence pas par la guitare pour chanter, on peut chanter. C'est l'envie, c'est le ressenti, ouais. C'est. Voilà. Et voilà. Et voilà, maintenant, on suit les routes, on continue et j'espère que ça s'arrêtera jamais. Pissou, maintenant, alors déjà ton surnom, on ne sait pas, mais vas-y, raconte-nous un petit peu ton histoire. Je suis sûr que tu as plus long à raconter, toi. Tu as commencé à quel âge la musique ? Ah, moi très jeune aussi, moi très jeune, mais bon, moi j'avais déjà un groupe avec mes frères, avant de rencontrer le groupe Compass de Fabricio, et dans les années 80. Donc on tournait pas mal, l'Allemagne, la Pologne, la Suisse, on partait de partout. Ah, ça c'était l'heure de gloire, hein, dis donc, voilà, les années voilà. 80. Dans les années 80, oui, c'est là où ça, il y avait le plein boom du Gypsy, tout ça là. Et bon, après pour des raisons personnelles, je me suis arrêté pendant 15 ans à la guitare, et là où ça s'est accroché, c'est qu'un jour sur Facebook, je me suis dit, bon bah, écoute, j'ai envie de reprendre la musique, j'avais posé un message à tous mes amis, toute ma famille, pardon, qui font du flamenco, j'ai dit s'ils cherchent un groupe, un chanteur ou un musicien, quoi, je reviens dans la partie, quoi. Et en fin de compte, c'est Fabricio, il s'est contacté parce que j'étais venu pour remplacer un musicien qui avait à lui qui était pas là, quoi. Et ça, c'est en 2011. Et bien depuis 2011, je suis là, j'ai plus bougé. Donc à part Fabricio qui a fait un petit aller-retour, vous êtes toujours resté sur Nîmes? Au niveau de la musique, tu veux dire? Ouais. Alors, je tiens juste à dire que chacun s'est présenté, mais justement, la force qu'on a aussi, c'est que Pissou, comme il vient de dire, il a joué à l'étranger. Ça apporte une expérience pour nous. Anthony, il a fait la même chose. Oui, mais enfin, vous êtes toujours resté habitant à Nîmes, quoi. Ah oui, accroché à Nîmes, quelque part. Même si tourné dans le monde entier, mais voilà. Mais je veux juste dire qu'on a connu un public aussi à l'étranger aussi, qui nous a permis d'avoir de l'expérience. Et dans notre groupe, ça nous aide beaucoup, quoi. Ah oui. Bah, je dirais en proportion, à la limite, le monde extérieur est peut-être plus friand de la musique gypsy que le reste de la France. C'est vrai. Parce que nous, on est dans un coin privilégié, c'est pour ça qu'on vous aime. Oui, exactement. Ici, c'est la Camargue et il y en a beaucoup, donc voilà. Mais on essaie de se démarquer quand même, nous. Donc, je vous vois tenir vos guitares et vous rapprocher de vos guitares de plus en plus. Est-ce que vous nous accordez un live ici sur France Bleu Gard? Avec plaisir, c'est parti. Par contre, moi, j'ai pas de son dans le casque. Mais alors, est-ce que tu veux du son dans le casque? Un petit peu, ça, ouais. On va s'en... Alors, le titre de la chanson, ouais. On va interpréter, il se nomme Baila Coco. Je pourrais pas te donner. Allez. Avant, Baila Coco, Anthony. Anthony, tu l'auras pas, le son dans le casque. Vamos. Et c'est la star qui la chante, hein. D'accord, Anthony. France Bleu Gard Lozère en direct dans le Happy Hour avec le groupe Compass. Allez, vamos, Nico. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis le public. Oui. La chiquita de mi barrio quiere bailar el rock and roll, pero yo siempre le digo que baile en el flamenco. La chiquita de mi barrio quiere bailar el rock and roll, pero yo siempre le digo que baile en el flamenco. Quiere bailar coco, quiere cantar coco, quiere bailar. Plata.
passe. Qu'on passe en direct sur France Bleu Gard Lozère. Merci d'être avec nous sur le Happy Hour, un petit peu particulier. Plein de soleil, c'est génial. Vous nous amenez de la fraîcheur, vous nous amenez plein de choses. C'est gentil, hein. Ah ouais, c'est chouette. Moi, je regardais pendant que vous jouiez en direct, il y a Fabricio qui surveillait quand même Anthony. Comment ça marche là? Il y a des échanges, vous regardez. Ça marche tout par le regard. Ah ouais, ça marche beaucoup. Il y a le chef, le leader. Oui, c'est ça, c'est le chef, Fabricio. Vas-y, explique. C'est comme ça. Je regarde comme ça. J'aurais pu regarder un autre, mais je regarde. Alors, si on continue comme ça, tu vas me dire non, mais la guitare, c'est comme ça, tout est comme ça. Et puis, en gros, voilà, je me suis levé un jour, j'ai appris à jouer. Voilà, c'est... Non, on a du talent, mais la talent, ça se travaille aussi. Ouais, vous avez beaucoup de boulot là derrière. Oui. Ce fameux coco, là, c'était une compo à vous? Non, c'est une composition, une vieille composition de qu'on a repris nous, que plus personne ne chante, ouais. Qu'on a repris, qui est justement sur le dernier album qui s'appelle Musica, et c'est son... En fait, c'était une chanson, mon père avait son groupe à l'époque qui s'appelait Los Arenas, et il y avait mon parrain qui s'appelle Kiko Motos, qui faisait cette chanson dans les concerts. Après, je sais pas si exactement elle est de lui, mais il a jamais sorti. Et c'est dans les cassettes, en concert, en direct. Et j'ai entendu cette chanson... Les cassettes, vous avez connu les cassettes? Oui, j'ai connu un petit peu, oui. J'en ai entendu parler, c'est ça? J'ai entendu cette chanson quand j'étais petit et je l'ai reprise. Et on l'a remis au goût du jour, un peu plus moderne. Quoi, voilà. Exactement. Elle est sur Musica. Elle est, oui. Et puis, il y a aussi un titre sur Musica qui est Morena, que je vous propose d'écouter, version studio cette fois-ci. Comme ça nous permettra, pour vous surtout, de souffler un tout petit peu, d'accord? Exactement. Vous restez avec nous sur France Bleu Gard Lozère. Ah, bon, bien. María Itana Morena, Morena, Morena Itana. 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 Aulele, lelele, aulele, lelele, aulele, lelele, aulela. Aulele, lelele, aulele. Ave Maria, Maria, como te quiero, como te quiero. Ave Maria, tu y la madre de Luisa. Invité sur France Bleu Gard Lozère, vous êtes en live, vous êtes toujours là? On est toujours là. Ah, c'est quand même. Avec le single Morena, Fabricio Morena, c'est pas sur le dernier, c'est pas sur Musica, mais non, c'est quand même. C'était l'avant-dernier, oui. Oui, vous en êtes à combien d'albums? Cinquième. Cinquième, on a fait cinquième là. Voilà. Et donc. Et alors, Morena, ça raconte quoi?
Ben c'est un classique, ça, ou voilà, c'est une compo à toi? Non, non, c'est vraiment une compo à nous. Et je fais cette chanson parce que Morena, c'est la brune, quoi. La brune des Saintes-Maries, de la Camargue, tout ça, voilà. La belle brune. La belle brune, quoi. Morena. Je vois pas de quoi vous parler. Olivier et Lou, vous les connaissez. On va les retrouver parce que c'est des copains à vous d'ici un instant. France B. Le 16-19 de l'été, c'est votre guide sortie du soir. Taureau piscine, abrivade, humour, chansons françaises, les histoires et les balades d'Éric Tessier, notre historien. Des tonnes de cadeaux avec votre grand jeu fraîcheur de l'été, jamais sans mes palmes, et les lieux incontournables du Gard et de la Lozère. C'est l'happy hour de votre été entre 16h et 19h sur France Bleu Gard-Lozère. Les 8, 9 et 10 juillet, la ville de Beaucaire vous invite aux rencontres équestres. Les rencontres équestres de Beaucaire, ce sont des centaines de chevaux, des concours et de grands spectacles équestres gratuits. Un événement gratuit organisé par la mairie de Beaucaire en partenariat avec la région Occitanie. Il se passe toujours quelque chose à Beaucaire. Programme complet des festivités sur beaucaire.fr. Kikou la compagnie, c'est Ophélie, ta mère nature, votre jardinière préférée. On n'est pas bien là à se dorer la pilule en terrasse ? Allez, à vos panières et sécateurs, il est aussi temps de tailler, de récolter et d'en apprendre toujours plus sur nos copines les plantes. On n'en peut plus, on ne peut plus les voir en pâture, ceux-là. Plantez-vous. Le jardin décomplexé, le matin, à 8h25, sur France Bleu Gard-Lozère. L'Happy Hour de France Bleu Gard-Lozère. Marie-Ève Tomasini. Le temps passe tellement vite avec vous. On est en direct sur France Bleu Gard-Lozère avec Compass, les quatre de Compass. Bah, c'est un compliment que je vous ai. Hein. Gentil. Ah bon, d'accord, merci, ok. Merci beaucoup. Vous êtes les quatre, d'accord, mais vous n'êtes pas tout seul. Alors, il y a Olivier qui est là. Bonjour, Olivier. Bonsoir. Ah, oui, c'est vrai, à cette heure-là, pardon, mais il fait tellement jour. Bonsoir, Olivier. Alors, les Compass, comment vous les avez connus? Qui ils sont? Qu'est-ce que c'est votre histoire avec eux? Oh, c'est une histoire de rencontre, une histoire d'un jour où il jouait devant les Halles et puis ça s'est poursuivi à la maison. Carrément. Ils sont venus naturellement jouer et puis animer après-midi et puis on a sympathisé et puis ils sont tellement brillants et puis c'est des belles personnes en plus, donc voilà, chaque fois que je peux trouver l'occasion de les programmer, ben on les programme. Et la dernière fois, ben, mon fils a récemment monté un restaurant, créé un restaurant, La Villa, et ils sont venus pour la feria animer deux après-midi. Et chose étonnante, c'est que le restaurant s'appelle La Villa et que eux sont arrivés. Fabricio m'a dit, c'est rigolo le nom de ton restaurant parce que nous on a une chanson qui s'appelle Vive à la Villa. Et donc c'est un petit peu, c'est devenu aujourd'hui l'hymne un peu du restaurant, quoi. Parce que c'est un restaurant aux notes quand même un peu espagnoles. Et donc on est très dans le flamenco, sévillane, etc. Donc bon, ça se marie bien tout ça. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire, ouais, à Olivier, parce que c'est plutôt sympa ce qu'il vous dit. Oui, c'est vrai. Pas Olivier. Moi, je dis qu'il n'y a rien au hasard. Il n'y a rien au hasard dans la vie, la preuve, la chanson. Et en plus, comme il dit, bon, l'endroit, le lieu est magnifique, La Villa. Franchement, c'est vraiment magnifique. C'est très bon. Qui nous correspond à nous aussi. Si parce en que... plus, c'est bon, c'est pas mal. Olivier, oui, votre fils va être invité chez Thierry, je pense, bientôt. Non, mais c'est vrai, c'est... Et on a vu, quand on était dans la salle d'attente, on a vu, il y a une pile de livres de Idéal, c'est lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est rien, c'est des petites erreurs. C'est le direct. C'est ça. Merci Olivier, merci pour ce gentil mot pour qu'on passe. Merci. Rappelez l'adresse du restaurant. C'est le 1530 chemin du Carreau de l'Anne. C'est l'ancien tennis club du Carreau de l'Anne, qui est bien connu de pas mal de Nîmois et qui a été complètement rénové. Voilà. La Villa, c'est un restaurant qui ne fait que de la cuisson à la braise. Bah voilà. Et je vous le recommande. Hein. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Ah oui. Ah, ouais, ça va. En tout cas, moi je recommande à tous ceux qui aiment les gens vrais. De programmer Compass chez eux dans leur soirée. Parce que et puis merci. Merci Olivier, merci beaucoup. Super, salut Olivier, merci beaucoup. Maintenant, Olivier, on en a parlé. Qui est Lou? Vous pouvez m'expliquer qui est Lou? Alors, c'est en fait, il y a Lou, mais en fait, c'est Lou et Tard. Lou et Tard, d'accord. Voilà, c'est un couple qui aime la musique gypsy et qui nous ont rencontrés au Gros du Roi. Au Gros du Roi, voilà, qui nous ont rencontrés une fois au Gros du Roi. Ils sont venus au hasard nous voir et depuis on s'est quittés, on est devenus des amis, tout ça. Ils habitent sur Istres.